Aujourd'hui, notre équipe vous emmène sur un concours en américaine, coup feeder. Chaque équipe, composée de deux pêcheurs, pourra au choix utiliser le coup, le feeder ou bien marier les deux techniques. Beaucoup de monde pour ce concours et de très belles équipes. Le niveau risque d'être élevé aujourd'hui. Là, il y a du monde. Là, il y a des belles équipes. On va mettre un nom. Tu veux pas mettre ça? T'as tort. J'ai fait du poisson l'autre jour avec ça. Ah ouais? Mais ça fait rien. Comme vas-y, tu veux. Vas-y. C'est comme tu veux. Moi, j'ai prévu Brême et Leader. Et explosive, j'avais prévu. Brême, Leader. C'est vrai qu'ici, il ne faut pas négliger le coup. C'est ça, je me tâtais pour... Il y a du bon monde aujourd'hui. Que le feeder, ouais. Il y a Fouja, hein, champion du monde. Hein. Ouais, ouais. À midi, alors on va leur donner un petit peu de la brème et un petit peu d'explosion. En fait, on pêche combien de temps là? C'est 5 heures. Il n'y a pas d'arrêt à midi? Oui, mais voilà. Ah, ça sent pas bon. Ça sent pas bon ici. L'esprit d'équipe est partout. La préparation de l'amorce se fait avant de rejoindre son emplacement. Voilà, donc la stratégie, à mon avis, moi ça fait quand même 5-6 ans que je suis pas venu là, donc je pense qu'il y a du carassé, Christelle doit le savoir mieux que moi. Il y avait du carassé, mais il y a des brèmes aussi. Il faut taper en face. Il faut pêcher, oui, en face, oui, mais 10 mètres du bord à peu près. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des muges aussi, hein, a priori. Ouais, il faut se méfier avec les muges. Ouais. Ouais. En fait, ce qui se passe ici, à l'époque, il y a une cassure qui se fait à 8 ou 9 mètres, d'un côté comme de l'autre. Et après, il y a le canal navigable. À l'époque, ce qu'on faisait, on pêchait à ras la cassure. Et ça arrive qu'il faut pêcher sur la cassure. Je pense pas qu'aujourd'hui, on va pêcher sur la cassure. J'imagine que là, sur la cassure, c'est à 20 cm près, là. Ah oui, oui. Avant d'installer son matériel, chaque pêcheur commence par nettoyer sa place. Très utile pour une bonne installation. Ne pas hésiter à prendre quelques minutes pour cette opération. Une mise en place en américaine demande une certaine habitude. Il faut en effet gérer un emplacement réduit sans que cela gêne son partenaire. Il faut aussi bien gérer son installation pour qu'elle reste la plus fonctionnelle possible. Seul l'entraînement permet d'optimiser ces choses. Nous sommes sur les bords d'un canal dans le sud-est de la France, à Saint-Gilles, dans le Gard. C'est tombé à l'eau. Une bonne heure est donnée à chaque équipe pour s'installer. Mais chaque pêcheur va devoir se préparer pour pêcher au coup et au feeder. C'est forcément deux fois plus de temps de préparation. Les mecs de l'équipe de France. Un mec de l'équipe de France, un en remplaçant et Christian Morgan. Pour la pêche au cou, les pêcheurs préparent généralement, en plus de la canne principale, deux ou trois kits supplémentaires. L'intérêt étant de perdre le moins de temps possible en cas de problème avec la ligne ou bien en changeant de stratégie. Avec ces kits, le pêcheur peut préparer le remplacement immédiat d'une ligne ou bien changer cette ligne pour une pêche plus fine ou au contraire utiliser un montage destiné aux gros poissons. Ensuite, il faut sonder l'emplacement. C'est la feeder, celle-là. La bouche, elle est au grand. Oui, merci. C'est parti, c'est le moment d'amorcer. La présence de gros poissons nécessite un amorçage lourd en début de concours. Un rappel léger, voire simplement des frondes d'asticots permettront ensuite d'entretenir le coup en faisant un minimum de bruit. Ha
Début du concours, la plupart des équipes vont tenter de prendre quelques poissons au cou en attendant les brèmes et les carassins. C'est aussi le moment d'amorcer au feeder. Devant le bruit fait lors de l'amorçage, les gros poissons ont tendance à aller sur l'autre rive. Le feeder représente la technique idéale pour aller chercher les poissons en face. La chance fait aussi partie de la pêche. Quelques minutes après le coup d'envoi, Rodolphe se retrouve à batailler avec un poisson insolite pour ce style de pêche. Une belle bagarre et surtout un moyen de gagner beaucoup de points. Ce n'est pas le moment de faire une erreur. Après quelques minutes de combat, c'est bien un cendre et de belle taille qui a mordu. La journée s'annonce difficile, peu de touches et peu de poissons, chaque prise va être importante. Alain tente d'aguicher au feeder, une technique souvent efficace quand les poissons sont difficiles, mais pour l'instant, rien n'y fait. Il va falloir tenter beaucoup de choses aujourd'hui, varier les techniques aussi. Seuls les meilleurs s'en sortiront aujourd'hui. Au coup, ce n'est pas vraiment mieux, pas ou peu de touches. Il faut tout de même insister, les poissons peuvent rentrer sur le coup à n'importe quel moment. Et justement, cela finit par payer, premier poisson pris au coup. «
quelques beaux poissons commencent à arriver. Précision et patience, ce n'est vraiment pas la journée pour faire des erreurs. Au feeder, les premières touches commencent aussi. Même si cela reste très timide, les choses commencent tout doucement à bouger. De leur côté, Sylvie et Jean-Marc connaissent les mêmes problèmes. Les conditions sont très difficiles aujourd'hui, même si Jean-Marc arrive à sortir quelques poissons au feeder. Alors que Valet et Jean-Marc sont capot, Valet touche son premier poisson. Et quel poisson ! Une belle carpe vient de mordre. La bataille va être longue, mais elle peut surtout remettre l'équipe dans la course au podium. Cela fait plus de 10 minutes que Valet bataille avec la carpe. Pas le droit à l'erreur, l'enjeu est trop important. C'est au bout de 15 minutes que la carpe semble finalement accepter de se rendre. C'est peut-être pas le moment de la faire poser à côté. Attention.
À partir de ce moment-là, les touches commencent à arriver pour Valet et Jean-Yves. La carpe devait tout simplement faire fuir les bancs de poissons. Avec plus de 2 heures de retard, la tâche semble tout simplement quasi impossible pour notre équipe. Aucun des deux pêcheurs ne semble baisser les bras. C'est aussi ça, la pêche sportive. Malgré leur retard, ils vont tout faire pour remonter. Et plus Valet et Jean-Yves remontent sur les premiers. Cela risque de se jouer à peu, très peu même. Celui-là, il n'est pas revenu. Hein. Il ne reste que quelques minutes. La tension est à son maximum. Valet et Jean-Yves sont tout prêts de créer l'exploit. Mais bon, la pêche a été dure, surtout sur le départ. Hein, donc, et puis on s'est aperçu que en fait, les poissons étaient bien derrière l'amorce et qu'on a mis du temps à comprendre. Donc comme quoi, des fois, il faut essayer de réagir plus vite que... Il faut une belle remontée sur la fin quand même. Mais on a... Oui, on a eu la chance, premièrement, de faire une belle carpe, je pense qui était sur le coup. Qui nous a un peu gêné également. Et après, les carassins sont arrivés. Non, on fait une belle pêche. Hein. Donc, avoir plus de 15 000. Hein, donc. Voilà. Donc, je pense qu'on a un top 10, peut-être un top 5. Ah, ça après. À voir. Là, c'est à la place. Hein, après. Des fois, on a des surprises. Mais en tous les cas, on s'est fait plaisir. Voilà. Moi, je vais compter les lèvres. Je suis deux pour l'instant. Même avec un bourgaison, je faisais 20 000. Même avec un bourgaison, je faisais 20 000.
Il y a un autre bruit. Vous avez que ça. C'est un atout ou quoi? Oui, oui, ça va être tendu. Ça, c'est qu'on arrive. Hein. Vous, ça va être tendu. La dernière brème, tu peux l'empailler là. Tout de suite, ça. Ah, il y a 10 000. Ah, ouais. Il y a 10 000. Même pas. Même pas. Non, il est là, normalement. On a le terme, là. Il y a du monde, là, oui. C'est une terre, il va terre. Donc, il y a une terre disqualifiée. Hein. Oui, oui, oui. Oh, il y a une terre. Ah, ouais. Vous avez la terre ? Ah, bon, on y va. On en prend dans deux fois, là. Peut-être, hein. Oui, on va pas dire deux fois. Deux fois. Quelques pas. Elle a déjà fait un tour. Hein? 18, 18, 21, je retiens 2. On est d'accord? 10, 12, 18, 18 et 6, 24. D'accord? Oui, oui. 24 100. Alors on recommence. On va aller à Il y a deux cailloux. Ah bon ouais. Oh, les cailloux, oh, les cailloux, oh, les cailloux. Mettez pas les cailloux. Ah, vous oh, avez les cailloux, assez, méfie-toi, il y a des bandits là, méfie-toi, il y a des cailloux. Vous avez pas besoin de cailloux là. On pèse celui-là. 7000 ou plus. Non, vas-y, attends, bouge plus. Laisse avec la balance, laisse avec la balance. Après, c'est ça va se jouer à des grammes, donc... Là, il y a plus de 7000 là. Il y a 7050. Hein? Oui, parce que 7100... Il n'y a pas plus. Non, alors 8000... Attendez, attendez. J'attends, j'attends. Non, mais c'est... non 18000. C'est juste non. Pour pas que ça... J'efface. Voilà, c'est bon. Et 20500, a priori, dans un top 3, peut-être même 2. Réaction? Bah écoute, c'était mal parti au départ. On n'espérait pas autant, mais bon, voilà, c'est la pêche. Hein. On est allé plus loin que prévu. Le poisson, ben, on a réussi à l'arrêter au bon moment. Et on a fait ce qu'on a pu. Quoi. Donc voilà, on fait 20500. Ben, si on fait deux, tant mieux. Remontée fantastique voilà. Là quand même. Oui, on va pas à se plaindre parce qu'on était mal parti. Je le répète, on était mal parti. Et ouais. Au bout de deux heures, c'était capot. Capot. Capot ouais. Et à 40 mètres et rien sous la canne. Et bon, je décide à un moment donné de partir à 55 mètres. Bon, j'ai vu le poisson qui montait à 55 mètres. Je fais une brémette, puis à vide. Pour pas déstabiliser le coup. Et puis ensuite, ben, j'ai envoyé dessus et j'ai fait la carpe. Voilà. Donc à partir de la carpe, je pense qu'elle y était pour quelque chose, que les poissons ne s'arrêtaient pas. Une fois enlevé, les carassins sont rentrés. Puis on a fait ce qu'on a fait, voilà. Donc 20500, c'est pas mal, on est content. Donc maintenant, on va attendre le classement final. Le résultat, le classement final, pour voir si on est deux ou trois. Ouais. Voilà. Bon, ben, croisons les doigts. On est satisfait. Il réclamait déjà une belle place ce matin. Nous étions 41 équipes. Bien. Et comme on dit, que des bons. Puisqu'ils étaient là. Premier du concours avec 24 005. Publié, messieurs. Soyez pas voilà, messieurs. Félicitations. Félicitations. Et 5 points. Bolivar Maguire. Avec une très jolie carte, moi. Une carte de kilo 7. Mavri. Il faut les gars, ça. C'est couillard. Qu'est-ce que tu veux? Dans le séjour, là. Retenez, hein. Même date l'année prochaine. D'accord. Au jour près. Sixième de Bourg-Saint-Andéol, la 29 380, Luxès 7-6. Au final, même si Valet et Jean-Yves ne gagnent pas, cette deuxième place restera une très belle récompense. Sur ces 5 équipes, Bourg-Saint-Andéol classera 3 équipes dans le top 10. 2e, 4e et 6e. Belle performance.